Monsieur le Grand Rabbin Abraham Assayag, Excellence Ambassadeur du Royaume du Maroc, Madame Nouzha Chekrouni, Madame le Maire Linda Jackson, Monsieur les parlementaires de l'Ontario, Monsieur le Président des diverses organisations, Mesdames et Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, c'est un jour de fête pour toute la communauté juive marocaine et le centre Sephardic Kehila. Nous allons, dans quelques instants, inaugurer la magnifique fontaine traditionnelle marocaine que le gouvernement de Sa Majesté Mohamed VI nous a offert. Ce geste fort souligne la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, a toujours entouré la communauté juive marocaine au Canada et ailleurs. Celle-ci a toujours exprimé et marqué son indéfectible attachement au trône et à la vie, à son pays et aux valeurs de fraternité et de symbiose qu'il incarne. Le royaume du Maroc est un exemple unique au monde, reconnu par sa cohabitation, le respect et la fraternité que se vouent ses diverses communautés, toutes religions confondues. La confrérie que nous, juifs marocains, avons eue et continuons à avoir depuis des siècles avec nos concitoyens musulmans est unique et remarquable au monde. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier publiquement ce soir l'honorable et ami Monsieur le ministre délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger, Mohamed Amr, qui a été notre porte-parole auprès du gouvernement de Sa Majesté Mohamed VI afin de recevoir ce magnifique cadeau qui nous a été offert. Encore une fois, merci Monsieur le ministre Mohamed Amr, au nom de toute la communauté. Mes remerciements vont aussi à notre ambassadeur, Son Excellence Nouzha Chekrouni, et son ministre conseiller Mohamed Meskaouni, qui ont suivi avec beaucoup d'intérêt ce dossier de la fontaine marocaine. Leurs remarquables démarches ont abouti à la réalisation de ce magnifique projet dont nous sommes fiers, orgueilleux et très reconnaissants. Chef de division et coopération extérieure de la maison de l'artisan, pour avoir suivi de près le déroulement des travaux de ce magnifique joyau et objet d'art, aussi bien que le Maharen Abdelaziz Yadri et son équipe pour l'accomplissement des travaux. Excellence, Madame l'Ambassadeur, je voudrais ce soir que vous soyez porteuse d'un message de fidélité et d'attachement à un groupe du souverain dont je vais faire des Majesté, l'insigne honneur qui me choisit d'être l'interprète de 15 000 sujets de votre Majesté qui constitue la communauté juive marocaine de Toronto, de renouveler à votre auguste personne notre fidélité, notre loyalisme et profond attachement rempli d'une immense fierté. Majesté, à l'occasion de la cérémonie de dédication de la mairie, la merveilleuse fontaine marocaine qui nous a été offerte par le gouvernement de votre Majesté, il m'est agréable de vous exprimer en cette heureuse occasion nos remerciements les plus cordiaux ainsi qu'à tous les membres de votre digne gouvernement. La communauté juive marocaine de Toronto rend hommage à l'action de votre Majesté qui mène inlassablement pour le progrès et la prospérité de son peuple, ainsi que le triomphe de la paix et de la fraternité dans le monde. Nous prions le Tout-Puissant de protéger votre Majesté, de lui accorder longue vie et d'accompagner en la personne de Son Altesse Royale le Prince Hérité Moïse Saint, Son Altesse Royale le Prince Moïse Rachid et l'ensemble de la famille royale. D'information, je voudrais vous faire savoir à toute assistance que lundi dernier, lors d'une réception tenue à New York, la conférence des présidents des organisations juives américaines
à décerner cette année de International Leadership Award à notre bien-aimé souverain, Sa Majesté le roi Mohammed VI, pour son courage de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, pour un rapprochement entre les cultures et la convivialité entre les trois religions monothéistes. Pour ses efforts et initiatives pour une vie, pour une paix juste et durable au Moyen-Orient, et en tout particulièrement par ses déclarations sur le thème de l'Holocauste, dont il a reconnu les atrocités commises par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale au peuple juif. La Shoah est un fait dont le monde entier doit le connaître. Je voudrais appeler Mohamed Primi, Moustapha Amani et Abias Wolos. Elle est assumée et sacrée, elle traduit les liens indéfectibles